Il y a 36 ans, un jeune couple de citadins vint passer des vacances dans la région. Tu as voulu ton super job! Tu les as voulu tes deux enfants! Alors ciao! Moi je pars en vacances! Ils étaient très amoureux et ils venaient se promener tous les jours dans la montagne. Tu te fous de ma gueule? Ça t'a pas suffi tout à l'heure. T'as jamais foutu les pieds en montagne et maintenant tu veux nous faire faire de l'escalade. C'est uniquement par prudence. Prudence? Mes fesses! À l'époque, peu de gens montaient aussi haut et ils étaient seuls la plupart du temps. Vous commencez à me faire chier tous les deux avec vos disputes. Je vais le retrouver, moi, Maxime. Reste là, Claire, je te dis. Toi, tu ferais mieux t'occuper du bébé de maman. Il est pas de moi. Un jour, ils firent la rencontre d'un jeune montagnard chevronné. Vous savez pas où se trouve la brèche de Roland? En face. Et ils le suivirent et firent avec lui l'ascension de la brèche. Roland! Les neiges éternelles! Il faut redescendre! Non, on va encore se perdre! Ils n'étaient jamais montés aussi haut, ils en furent éblouis. Regarde, c'est incroyable. Quelques semaines après, la jeune femme était enceinte. Et comme le bébé fut un petit garçon, en souvenir de ce séjour merveilleux, il l'appelait Roland, c'était moi. Et le jour où t'as appris que ton père n'était pas ton père, ça t'a fait quoi? J'en ai rien à foutre de ton pèlerinage, Roland. Tu sais même pas si nous sommes en France ou en Espagne. Mais nous sommes précisément entre les deux, ma chérie.